Un café, s'il vous plaît. Jean Sadiel. Ma femme. Bonjour. Bonjour. Merci. Qui ne voit personne avant le déjeuner. Une blonde mignonne. Il n'a pas l'air dangereuse. Le type non plus. Fais-les suivre quand même, qu'on sache qui c'est. Bon. Au revoir. Alors, je ne peux vraiment pas compter sur toi pour faire cette émission de télévision. Pour un oui ou pour un non, j'ai la police dans les pattes. Il ne manquerait plus que ça que je fasse cette émission avec toi. C'est comme... si je signais moi-même mon arrêt d'expulsion. Faut que je reste en France. Tant que j'aurai pas fini ma thèse. Cassar, Cassar ne te pardonnera jamais d'avoir été l'un des leaders du mouvement étudiant. Il me pardonne surtout pas d'être ton ami. C'est vrai ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Que tu prépares ton retour au pays. Oui, c'est vrai. Pour bientôt? Rien n'est encore fixé. J'attends une nouvelle entrevue. Ici, à Paris? Je ne sais pas encore. C'est possible. Tu rentres pour la stratégie seulement? Ou pour la couleur du ciel? La douceur de l'ombre? Les voix des femmes sur les marchés. Pour la saveur des figues mûres, pour le parfum des orangers, pour le visage des ouvriers qui apprennent à lire le soir, après leur journée de travail. Pour les rires des noces et pour les chants funèbres. C'est pour tout ça que je rentre au pays. Allez, viens, viens avec moi à ce déjeuner. Tu me diras ce que tu penses de cette émission. Est-ce que tu penses aussi des gens avec qui je vais travailler ?